Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au domaine et musée royal de Marimont. Donc merci d'être venu assister à ce vernissage. C'est une inauguration un peu particulière. Or, comme vous le savez, les temps sont durs pour la culture, mais les musées en Belgique ont la chance d'être ouverts et les équipes de Marimont sont heureuses de vous offrir aujourd'hui une nouvelle exposition. Une exposition intitulée « Le monde de Clovis, itinéraire mérovingien ». Donc suivez-moi et je vous propose d'aller la découvrir. Bonjour Philippe. Je vous propose que l'on s'arrête quelques minutes près de la pièce d'appel de l'exposition et en compagnie de Philippe Fontaine, le président des Amis de Marimont. Alors, ce monument, c'est l'un des 360 ensembles d'objets que vous pourrez découvrir dans cette exposition. Ce monument, il nous ramène 1500 ans en arrière, au cœur du premier Moyen-Âge, à l'époque de Clovis et du peuple mérovingien. C'est un sarcophage qui a été découvert dans la région de Liège, donc une sépulture de prestige, celle d'une certaine élite. Taillée dans du calcaire, en fait, cette pierre a été ramenée depuis la Lorraine française et transportée sur plus de 350 km. De tels objets révèlent en réalité la grande vitalité culturelle de nos régions à l'époque de Clovis et de ses successeurs. Loin d'être replié sur soi-même, loin d'être en déclin, le monde de Clovis apparaît aujourd'hui beaucoup plus riche, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant que ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. Tel est le propos de l'exposition. Une exposition pour laquelle le Musée Royal de Marimont s'est associé à des partenaires de choix. L'Agence Wallonne du Patrimoine coproduit l'exposition en mettant ses biens archéologiques et ses experts au service du projet, mais aussi les villes de Mons et de Tournai qui y participent en proposant deux expositions parallèles. Mons au temps de Vaudru, à l'Artothèque. Vaudru, c'est cette sainte qui a fondé la cité. Et Tournai, cité royale. Tournai, lieu de naissance de Clovis, berceau des rois mérovingiens au musée d'archéologie. Mais le projet a une dimension qui n'est pas seulement nationale, puisque l'exposition de Marimont sera aussi présentée à partir de septembre au Musée national d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, donc près de Paris. Toutefois, nos premiers partenaires, ce sont évidemment les Amis de Marimont, un cercle qui s'associe à toutes nos expositions et que vous êtes d'ailleurs invités à rejoindre. Alors Philippe pourra vous expliquer, je crois, ce qu'est les Amis de Marimont et pourra également peut-être vous dire qu'une exposition à Marimont, finalement, ça a beaucoup de sens, ça s'explique par l'origine même du musée. Cette exposition sur Clovis et les Mérovingiens a tout son sens à Marimont parce que Raoul Waroquet s'est intéressé aux Gallo-Romains et aux Mérovingiens en faisant organiser, faisant faire des fouilles dans la région du centre, un peu plus loin parfois, à Nimy, à Trivière, à Anne-Saint-Paul pour les Mérovingiens, à La Louvière, à Oudin, à Failly-les-Manages et encore ailleurs pour les Gallo-Romains. Alors, un collectionneur qui est à la base de ce musée a donc fourni au musée des pièces de ses collections qu'on avait trouvées dans la région. Il les a peut-être sauvées parce que, normalement, elles auraient pu partir ailleurs où des pillards les auraient accaparées. Et on les aurait retrouvés chez des antiquaires. Mais donc, si vous avez cette exposition aujourd'hui, c'est aussi parce que Marimont, de musée de collectionneur, est devenu un établissement scientifique. Et après Waroquet, M. Feder et Mme Feder ont pris la tête du musée et Mme Feder a organisé des fouilles à Fontaine-Valmont, à Thouin, encore dans d'autres endroits de la région, et à étudier les pièces qui étaient dans les collections Waroquet, mais aussi celles qu'elle a découvertes lorsqu'elle a organisé ses fouilles. Alors voilà, je vous souhaite de voir cette exposition de manière passionnée, passionnante, parce que je crois qu'elle l'est, et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci bien, Philippe.
Maintenant, je vous propose d'aller découvrir l'exposition et de rejoindre l'un des commissaires. Alors, en attendant, je vous propose aussi d'écouter le message que nous a envoyé Madame Valérie Debut, ministre du gouvernement wallon, qui a le patrimoine dans ses attributions. On la remercie vivement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de participer à l'inauguration de cette nouvelle exposition au cœur du Musée royal de Mariemont. Je m'en réjouis d'autant plus en ces temps particuliers que nous vivons depuis bientôt un an. En cette période de crise, il est important de rappeler la richesse du patrimoine wallon et le dynamisme du secteur culturel et touristique. Il est essentiel que le secteur continue à vivre. L'aboutissement de ce genre de projet nous démontre que malgré le confinement, il est possible de réaliser de belles choses. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à la créativité, beaucoup d'efforts et surtout faire preuve de résilience. Avec l'exposition « Le monde de Clovis, itinéraire mérovingien », le Musée royal de Mariemont, en collaboration avec l'AWAP, propose aux visiteurs un panel d'activités variées. Tout le monde pourra y trouver son bonheur, du spécialiste au grand public, de l'adulte à l'enfant. Il y a tant d'inventivité dans les actions proposées, plongées dans la vie quotidienne au temps de Clovis, activités en rapport avec les cinq sens. Toucher, sentir, goûter l'époque mérovingienne. Escape rooms, ateliers, carnets d'exploration. Et ce n'est pas tout. Les visiteurs pourront en profiter de leur passage à Mariemont pour découvrir ou redécouvrir un des plus beaux parcs de Wallonie, classé patrimoine exceptionnel. Je tiens à tous vous remercier pour le travail accompli. Vous avez déployé tant d'efforts pour permettre à la culture de continuer à vivre et pour développer une offre attractive et innovante à découvrir en toute sécurité. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès pour cette exposition. En Mariemont a bien de la chance d'avoir un tel soutien. Et ce n'est pas le seul, puisque nous avons reçu un deuxième message, émanant cette fois de notre ministre de tutelle au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Bénédicte Linard. Alors on la remercie aussi, hein, surtout que nous l'avions accueillie ici même il y a un an, quelques semaines avant qu'on ne s'enclenche l'épidémie. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2020, j'avais la chance d'être présente au Vernissage, une première exposition temporaire ici, dans le cadre magnifique de Mariemont, qui concernait quelque part les façons d'aborder le futur, nos futurs possibles, puisque c'était « Bye bye futur ». Qui aurait pu imaginer, il y a un an, ce que serait notre futur ? Cette crise, ce séisme qui a balayé notre année, qui continue à toucher fortement le secteur culturel, jamais nous n'avions imaginé ce futur-là et nous avons dû y faire face. Durant cette crise, les acteurs culturels ont dû redoubler de créativité, c'est le cas de Mariemont par exemple, pour garder du lien avec le public quand tout était fermé. Et puis, dans ce deuxième confinement, nous avons malgré tout pu garder un accès à la culture, que ce soit en gardant les librairies, les bibliothèques ouvertes, en permettant aux familles, entre autres, de se retrouver dans les musées, comme celui de Mariemont. Nous avons aussi permis que les répétitions aient lieu, que des tournages aient lieu. C'était important pour moi de maintenir un maximum l'accès au public, à la culture. Et ça a évidemment nécessité, entre autres à l'équipe de Mariemont, de se démener pour réaccueillir ces publics. Je salue leur travail pour ce faire. C'est un tout autre voyage dans le temps que cette nouvelle exposition, donc « Monde de Clovis, itinéraire mérovingien » nous emmène, puisqu'on va rencontrer notre histoire. On va à la rencontre de ce haut Moyen-Âge, cette période parfois méconnue, parfois considérée comme une période sombre, alors qu'elle est traversée d'échanges en tout genre. Je vais terminer par ceci. Vraiment, félicitations à toute l'équipe qui a permis de tenir non seulement cette exposition, de la mettre en œuvre, mais aussi de permettre à ce vernissage virtuel d'avoir lieu. Et puis, beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, nous sommes à l'entrée de l'exposition, en compagnie de Marie Demelaine, qui est la conservatrice en titre de la section d'archéologie régionale et domaniale au sein du musée de Mariemont. Alors, c'est elle qui a porté le projet et qui en assure le commissariat.
aux côtés d'Olivier Vrilinck, qui lui représente l'Agence Wallonne du patrimoine. Donc je vais vous laisser entre bonnes mains. Je crois que Marie, maintenant, va vous présenter un peu plus en détail son exposition. Bonjour et bienvenue dans le monde de Clovis. Le monde de Clovis, c'est aussi celui d'Arégon, de Bathilde, d'Antomir, de Eulalie et d'Edith. Tous ces personnages que nous allons rencontrer dans l'exposition et qui sont en fait fictifs, mais vraisemblables, appuyés sur les recherches des archéologues. L'époque mérovingienne, c'est une période qui est assez mal connue, entre 450 et 750 de notre ère. C'est une période qui est ceinte par deux grands piliers de notre histoire collective, l'Empire romain avant et Charlemagne 800, la date que tout le monde connaît, après l'époque carolingienne. Et donc, entre 450 et 750 de notre ère, eh bien, c'est un peu une période qu'on a considérée longtemps comme les âges sombres. Et nous, on met la lumière sur ces âges sombres et on vous invite vraiment à rencontrer des personnages, des objets, des modes de vie, une culture, une communauté. En particulier, une personnalité qui m'a vraiment beaucoup plu et à laquelle je me suis attachée, Edith, qui est une princesse anglo-saxonne, une jeune femme qui a fait le voyage du sud de la Grande-Bretagne, du Kent, avec certains de ses objets qu'elle a amenés avec elle et avec lesquels elle a été inhumée à Tournai vers 500 de notre ère. Je vous invite maintenant à me rejoindre près d'une vitrine avec des objets que j'adore. La pièce dont je voulais vous parler, en fait, c'est un ensemble de pièces, ce sont ces fibules. Des fibules, ce sont des objets qu'on portait comme des broches avant l'invention du bouton, un peu plus tard au Moyen-Âge qu'à l'époque mérovingienne. Et elles se portent au début de la période mérovingienne, vers 450 de notre ère, par paire. Et donc, les deux objets centraux qui sont ici sont des fibules qui se portaient sur les clavicules pour attacher les pans du vêtement entre eux. Et elles sont tout à fait exceptionnelles. Pas tellement pour la période, mais dans l'imaginaire, parce qu'elles comportent des pierres qui sont des grenats. Et ces grenats, ils viennent du sous-continent indien, d'Inde et du Sri Lanka, une région extrêmement éloignée, évidemment, de la région où ces objets ont été découverts, c'est-à-dire le Hainaut. Et vous voyez qu'il y en a une grande série qui sont serties dans ces fibules qu'on appelle cloisonnées, donc en forme de roues. Et le grenat a vraiment cette particularité de donner en fait un côté très froid, alors que c'est une couleur chaude, comme son nom l'indique, et la lumière vient vraiment frapper chaque pierre et donne un lustre et un côté très, très vivant finalement aux petits bijoux qui sont là devant nous. Alors, une autre pièce que j'aurais aimé vous présenter aussi, qui est dans le même esprit, ce sont ces deux oiseaux qui se font face et qui sont aussi sertis de grenats, qui sont un peu plus tardifs, mais qui sont tout aussi jolis à mes yeux. Merci beaucoup Marie et merci à vous d'avoir assisté à ce vernissage. Donc l'exposition Clovis ouvrira ses portes demain au public et ce jusqu'au 13 juin. N'hésitez pas à réserver votre créneau horaire par téléphone ou en ligne et à venir découvrir par vous-même cette exposition. Toutes les conditions de visite ont été mises en place et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Bonne soirée et à bientôt.